Elles ont réel, mais il y a 20 ans, c'est fini, quoi. Mais c'est sûr qu'elles ont réel, moi je leur dis, vous avez raison, mais c'est, y a, moi, oui, 70. Bah, je ne vais même pas en parler. On a pris des coups de pied au cul, on a pris des coups de poing dans les épaules. Sauf que voilà, c'est que, j'ai envie de te dire, moi j'ai joué au rugby, quoi, tu vois, on s'affaire dans le vestiaire entre nous, et tu vois. Non mais c'est bête à dire, tu vois, c'est un conditionnement mental pour aller très loin, mais c'était l'époque, les années 70, c'était l'époque, et ça avait déjà évolué, je pense, par rapport aux années 50. Donc là, c'était des brimades, je pense, physiques et morales, tandis que nous, ça ne nous a pas violentés, quoi. Mais c'est des gestes qu'il faut que ça vraiment que ça disparu, ça n'existe plus. Il y a encore 2-3 maisons, non, c'est fini. C'est pas nécessaire non. Pour devenir un grand chef. Non, c'est fini. Non mais la jeunesse, tu ne les prends plus pareil, hein. Tu ne prends plus pareil. C'est des jeunes qui témoignent quand même. Ouais, mais il témoigne, il y en a quelques-uns qui témoignent, ouais. Mais t'as 2-3 maisons en France, qu'on connaît, nous, où t'as une forme de dérive. Mais elle est plus mentale que physique. Physique, il y a encore des conneries, hein. T'as le fameux bizutage, j'ai envie de te dire, les étudiants, hein. Il y a toujours des conneries qui sont réalisées, tu vois, c'est un peu pareil. Hein. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, j'ai fait 3 fois le tour de la ville de Pau, hein. Aller chercher l'échelle à monter les blancs, la pince à défriser le persil. Et tu partais comme un couillon de restaurant en restaurant et tu te disais, ah je l'ai prêté à l'autre, et tu passais pour un couillon toute la journée, quoi.